Nous sommes de la même famille politique. Nous sommes de la même famille politique. Vous comprenez que la direction nationale du parti a pris une décision. Moi, je ne suis pas la direction nationale du parti. Abdoulaye Ba n'est pas la direction nationale du parti. C'est plus fort. Vous comprenez? Nous sommes la même famille politique. Là, il y a des gens qui ont été responsables et qui sont aujourd'hui au sein de l'État, qui sont revenus et qui sont même nommés. L'histoire ne s'arrête pas à nos yeux. Soyons francs, les hommes de la nature. Nous avons tous les mêmes objectifs. Tous les mêmes objectifs. Ousmane, c'est notre compagnon. C'est notre compagnon. On a fait le combat du parti ensemble. On a fait la prison ensemble. Donc, on va tenir là. On va tenir là. Non, venez par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on vous a dit. Non, mais attends, moi, je suis... tu me laisses parler, je me pose une question, je réponds. Silo, je vais répondre un peu. Voilà. Je vais vous... Attends. Attends, après. Je vais parler un peu, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais que vous veniez avec nous au siège. Au siège. Tout débat politique de la part, des jeunes de vous. Ce n'est pas dans la rue ici qu'il faut faire ça ici. Venez avec nous, on va s'asseoir. Attendez. Vous comprenez? On pouvait continuer sans s'arrêter. Non. C'est par respect pour vous qu'on s'est arrêté. Sinon, c'est à la voie publique, on peut continuer. Mon fils dit, mais il y a un problème à Rayantouma. Mais venez avec nous, vous êtes le FDG, nous le FDG. On vient de Conakry, attends, on vient de loin. On a fait Fria, on a fait Kamsa, on a fait Kuala Bouigny, on a fait Sangaredi, Boké, et puis Koumbia. Si maintenant ici, à Gawal, vous avez des revendications, vous avez des problèmes, venez vous exposer, on prendra note, vous comprenez? On vient de Conakry. C'est Conakry qui décide de l'avenir, n'est-ce pas, du parti. Et je pense qu'en tant qu'intellectuel, en tant que petit frère jeune, si on s'assoit, vous faites vos doléances, on prendra bien note. Mais ce n'est pas dans la rue ici que les problèmes d'un parti politique... Attendez. On est habitué à ça. On est habitué à ce problème humain, la routine. On est habitué à ça, à Kindia, à Conakry, à l'Abbé. Mais entre nous, s'il y a un problème, on s'assoit. On vous écoute avec respect, vous nous écoutez avec respect, on prend note. C'est Conakry qui décide. À Conakry, il y a un conseil politique de 67 personnes, et pas les enfants, hein. C'est eux qui décident de notre avenir. Combien ils n'y sortaient, aller sensibiliser les gens à travers la Guinée. On a fait l'Abbé, Pita, on a fait Dalaba, Mamou, vous comprenez, on a fait Linsan. Et puis on va aller maintenant à Koundara, Télémile, Kindia, Boké, pardon, Koya, Forcaria, et Dibreka et Conakry. Donc je pense que si... À Gawal, il y a des jeunes de l'UFDG qui sont pas contents de la décision du conseil politique de l'UFDG. On va là-bas, on vous écoute. Et puis nous, maintenant, on rapporte ça au conseil politique. C'est tout. Monsieur, voilà. vous m'écoutez? C'est tout. C'est tout. Secrétaire, la décision qui est là, qu'ils continuent leur chemin vers Koundara, c'est ce qui est dit avec le commandant de la gendarmerie, avec le commissaire de la police, qu'il n'y aura pas d'arrestation. Allons au siège. Les problèmes d'un parti politique se résout au siège. Mahin, on vous écoute. Mahin. On y va. Il n'y a pas de problème. Mahin. Non, attendez, j'arrive. Mahin. Attendez, je vais vous dire.